En l'an 1015, la cathédrale de Strasbourg sortait de terre et commençait son voyage à travers les siècles. Ces 1500 mètres carrés de magnifiques verrières anciennes nous sont parvenus quasiment intactes, à l'exception de deux baies mystérieusement disparues dans la chapelle Sainte-Catherine. Pour fêter le millénaire de l'édifice, un vitrail contemporain est créé pour les remplacer. Le projet de vitrail photographique de Véronique Elena, photographe plasticienne, a été choisi pour sa démarche artistique originale et novatrice. Pierre-Alain Parot, maître verrier, restaurateur d'une partie des vitraux de la cathédrale, en relèvera le défi technique. L'artiste imagine un Christ monumental de 7 mètres de haut, composé d'une mosaïque d'environ 500 photos de beauté de la nature et de portraits d'anonymes photographiés au sein même de la cathédrale de Strasbourg. Ok, on en fait une comme ça. J'ai dit à mon mari, si on est pris, on sera éternel. Dans l'église, même quand on sera plus là, quoi. Avoir l'audace de faire un visage du Christ formé de visages de gens différents, ça me paraît époustouflant. Pour le réaliser, le maître verrier doit inventer un procédé totalement innovant entre nouvelles technologies à la pointe de la recherche et savoir-faire traditionnel du Moyen Âge. Je fais un vitrail. Ça y est. La photographe et le maître verrier n'ont qu'une année pour relever leur pari. Un nouveau vitrail pour 1000 ans. Quand j'ai appris que j'étais présélectionnée, ça a été un grand moment de bonheur jusqu'à ce que je reçoive le cahier des charges. Et là, je me suis dit, ah non, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué pour toi. Et en même temps, quelque chose en moi disait, mais non, c'est vraiment génial, tout est possible et tu vas faire une belle œuvre merveilleuse. C'est trop bien, trop excitant. Vas-y, quoi. Véronique Elena est une artiste connue dans le milieu de l'art contemporain depuis une vingtaine d'années. Néanmoins, c'est la première fois qu'elle aborde l'univers du vitrail et qu'elle réalise une œuvre aussi monumentale. Je vois que le vitrail blanc occupe une place très importante, en particulier au niveau de la lumière. Il éclaire, c'est lui qui éclaire la chapelle. Et ça va être une donnée très importante dans la réalisation du projet. Il faudra qu'il reste de la lumière pour pas casser ce que les gens ont l'habitude de vivre en venant ici. C'est pas possible qu'il laisse au XIVe siècle 5 lancettes avec rien. Donc la première question, c'est mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Et je me disais, si je réponds à cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, j'aurai une réponse pour mon vitrail de maintenant. Véronique commence une véritable enquête. Première piste, Françoise Gatouya, spécialiste des verrières anciennes, qui a participé au recensement de celles de la cathédrale. Dans la cathédrale, est-ce que les vitraux ont toujours été là où ils sont, par exemple? Normalement, bien sûr, on a vitré au fur et à mesure, parce que le vitrail, il ne faut pas oublier que ça fait partie de la clôture de l'édifice, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas en place, il y a du vide. Et oui, il y a de l'air. Donc voilà, oui, on peut pas... C'est une peinture translucide qui fait partie du mur. Quand on construit la nef au XIIIe siècle, on la dote de tous ces personnages qu'on va voir en haut. Mais en même temps, comme un vitrail, ça coûte cher, on ne va pas jeter ceux de la nef d'avant. Voilà. Des vitraux qui bougent. Pour prendre l'exemple d'un qui a bougé, celui qu'on voit en haut, oui, là, qui représente l'adoration des mages, quand on regarde bien, la Vierge à l'enfant, elle est en haut à gauche, elle regarde vers le cœur. Le mage qui est à côté, il lui tourne le dos.
Et en dessous, il y a les deux autres mages. Évidemment, ce n'était pas comme ça. Il y avait la Vierge dans le coin à droite et puis les trois mages qui allaient vers elle. Ils se regardaient, voilà. Oui. Et ça, c'est parce que c'est venu d'une fenêtre basse. Nous voilà devant la chapelle Sainte-Catherine. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces verrières? Il n'y a aucune trace, nulle part, non. De ces vitraux. Non, ça a disparu d'une époque trop ancienne. Disparu. Certainement au XVIIIe siècle, quand on n'aime plus trop le verre coloré, parce qu'on a envie de pouvoir lire tranquillement dans les livres, on trouve que ça assombrit trop. On a dû donner du jour en cassant les vitraux des parois occidentales. Pour le coup, le chapitre décide de casser. Disperser. On met ça peut-être en réserve pour boucher des trous dans d'autres endroits de la cathédrale, mais comme on n'a pas retrouvé de traces. Je voudrais encore aussi poser une question quant à la présence de Sainte-Catherine. C'est sa chapelle. Oui. Et lorsqu'on en fait le tour, bien sûr, elle est présente. Sculpture, voilà, il y a la sculpture milieu, qui l'a à la place d'honneur, quand même. À la place d'honneur, exactement. Mais dans la chapelle elle-même, elle n'est pas présente. Donc, est-ce que dans les vitraux supplémentaires, Sainte-Catherine était représentée? Mais en peut-être. Tout cas, je pense que l'unité dont on a la preuve là, avec ces saintes qui succèdent aux apôtres, bon, tout ça est quand même très très homogène. Il ne devait pas y avoir des scènes. Comme on a vu après à l'église. Oui. Sainte-Catherine, Véronique tient là son premier indice à approfondir. Passionnée par ce monde du vitrail qu'elle découvre, Véronique en explore toutes les facettes. Accompagnée de Zabou, son assistante, elle poursuit ses investigations du côté de Saint-Étienne. La verrerie de Saint-Just est la dernière en France à produire des panneaux de verre antiques de couleur soufflés à la bouche. À l'époque, ces verres étaient utilisés pour clore les fenêtres. Aujourd'hui, ils servent à la restauration des monuments historiques et aux créations d'artistes. On a l'impression qu'ils font ça avec tellement de facilité qu'on ne se rend pas compte de la teneur de la matière. Et ça fait, je trouve ça vraiment magique aussi. Donc il fait en même temps la boue. Il fait le cueilleur et le souffleur. Il fait le cueilleur et le souffleur. Alors tu vois, les mots sont vraiment magnifiques. Donc il va cueillir le verre dans le four et en même temps il souffle. Là il est en train de grossir sa boule. Il faut avoir beaucoup de souffle. Il faut avoir du souffle quand même. C'est quoi les couleurs difficiles? Tout ce qui est vert. De vert? Ah ouais, donc là ce qu'ils font c'est... Du vert, on travaille pour un client qui nous fait fabriquer du vert qui est très 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 dur à travailler. Parce qu'il se casse. Parce qu'il se casse et c'est la matrice par elle-même qui est compliquée. La matrice, c'est-à-dire la matrice, la composition du verre. Ce qu'on a mis dedans. Ce qu'on a mis dedans est très compliqué et il refroidit plus ou moins vite. Le verre est une matière organique, vivante, composée de sable, de soude et d'oxyde métallique qui lui donne sa couleur. Réaction complexe, la coloration est parfois imprévisible. C'est une véritable alchimie et chaque verrerie a ses formules secrètes. Le prochain, il tape sur la canne. Et ça suffit. Et ça suffit. Là, c'est encore chaud? C'est encore chaud. Hein. Une fois refroidi, les manchons sont à nouveau chauffés, puis aplanis et transformés en plaques. Il est en train de s'ouvrir. Et après, avec son madrier, il va l'aplatir. Quand j'ai commencé à réfléchir sur le vitrail, j'ai voulu très vite mettre des photos dedans. Et j'ai rencontré un premier maître verrier. Et il m'a dit, oh ben non, non, la photo là, dans le vitrail, non, mais ça va être trop compliqué. Et je me suis dit, bon ben donc, je ne vais pas pouvoir travailler avec lui puisqu'il me dit que ce n'est pas possible. Je vais trouver quelqu'un qui va me dire que c'est possible. Pierre-Alain est là. Salut Pierre-Alain. Bonjour. Ouais. Salut. Très bien. On va dans les salles de coloration. Oui, allez, super. Allez. Là, c'est toujours magique. Là. C'est, ah, c'est vraiment magique. C'est magique. Pierre-Alain Parot m'a envoyé un mail et il m'a dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je lui ai montré le projet. Et il a dit, mais oui,
j'ai plein d'idées, je sais, on va pouvoir faire imprimer la photo en Allemagne, j'ai déjà commencé à travailler avec eux, c'est une technique de pointe, mais ça va marcher, je trouve ça super, la photo dans le vitrail, et puis après, on refera quelque chose d'autre à l'atelier. Les couleurs, c'est quand même génial. Ouais, c'est très très beau. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bonjour. C'est une carrière, je travaille à Bureau. C'est une reproduction photographique qui va être réimprimée sur le verre. L'impression photographique sur un verre blanc, transparent. Et par-dessus? Et par-dessus ou par derrière, une rehausse de coloration de traditionnelle. Ça sera vu sur le ciel, c'est un peu clair ça. On peut avoir sur la même plaque un choix possible. C'est-à-dire que si on a un orange foncé et un orange plus clair, on peut l'avoir sur une même plaque. Voilà, tout à fait. Donc là, on peut choisir. C'est tout bénef. Ron, dis-moi, s'il te plaît, pourquoi pour nous, c'est important d'avoir ces variations. Ça va nous permettre d'être plus subtil, ça va nous permettre de choisir. C'est-à-dire dans les camaïeutes de ta maquette, on voit bien qu'il y a dans la même, ici par exemple, là il y a... Pierre-Alain Parot est un des grands maîtres verriers français. Restaurateur, mais aussi créateur, il est habitué à initier les artistes qui l'accompagnent à la magie du verre de couleur et de la transparence. J'espère que je ne pose pas trop de questions, mais j'ai vraiment besoin de comprendre et de voir les différentes sortes de verres et toutes les possibilités tout à par rapport aux idées que j'ai, si ça peut se matérialiser ou pas. Ce que l'on peut faire, c'est... Il faut absolument qu'on fasse un calendrier, absolument, tu vois, avec tous les trucs que qu'on ignore complètement, mais qui pour toi semblent évidents. Oui. Les étapes. Pour toi. Véronique est encore novice dans le monde du vitrail, mais en revanche, cette commande arrive de manière très cohérente dans son parcours artistique. Bernard Goy faisait partie du jury qui a sélectionné son projet. Admirateur de la première heure, il a apprécié l'évolution de son travail au fil des années. Elle a un parcours très significatif sur le plan professionnel, pour le monde de l'art, et en même temps, ce n'est pas une grande figure, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est connu des médias et du grand public. Et Véronique a choisi, dans le passé, à plusieurs reprises, des sujets relativement modestes. Elle a réalisé des grandes photographies en couleurs très belles de supermarchés, par exemple, ou sur le dimanche, le loisir du dimanche, donc du quotidien, les courses cyclistes. On constate qu'il y a une certaine tendresse comme ça pour le quotidien, pour tout un chacun, en quelque sorte, pour le voisin, la voisine. Petit à petit, son travail évolue aussi vers une vraie quête de spiritualité, c'est-à-dire qu'elle va, par exemple, faire une série qui s'intitule « Ceux qui ont la foi », où l'on découvre que dans certains cas, il s'agit de foi religieuse, dans d'autres cas, il s'agit d'une foi qui n'est pas du tout religieuse, mais c'est la question de la foi, c'est la question de savoir à quoi on croit, à quoi on tient, en quelque sorte. Bon. Et puis, donc, au moment de la Villa Médicis et après, cette prégnance, en quelque sorte, de la peinture historique qui entre dans son travail. Et finalement, dans le vitrail, il y a tout ça. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce vitrail? C'est dans la cathédrale de Strasbourg. C'est pour le millénaire de la cathédrale. Et je dois trouver quelque chose qui soit à la hauteur, assez fort, pour tenir des siècles. Les vitraux, la liturgie, l'iconographie, toutes ces pistes ramènent Véronique à Sainte-Catherine et à sa forte personnalité, moderne, érudite, s'opposant au prince et au philosophe de son temps pour défendre sa foi. Et j'ai aimé cette figure, le fait que ce soit une femme aussi, très important. Et en tant que femme, faire un vitrail pour une cathédrale, pour le millénaire de la cathédrale, c'était une dimension supplémentaire qui a beaucoup participé à l'énergie que j'ai mis, enfin que j'avais à faire le travail. Il y avait une petite phrase sibylline qu'elle dit. Admire plutôt le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Admire les ornements du ciel, comme le soleil, la lune et les étoiles, la nuit et le jour,
Quand tu auras remarqué ces merveilles, cherche et apprends quel est leur maître. Ça a été vraiment une révélation pour commencer le vitrail. Véronique a sa première grande idée. Elle évoquera la Sainte par des photos des beautés de la création composées en une mosaïque d'images pour rappeler les petits morceaux de verre assemblés par des plombs dans les vitraux anciens. Elle établit une liste de 200 à 300 clichés. Quand je vois quelque chose qui est beau, presque j'oublie ma liste et je me dis, ouah, ça je le veux dans le vitrail, ça c'est vraiment, ça va être super dans le vitrail, et je fais la photo. Pour respecter les vitraux anciens, j'ai vraiment essayé de respecter cet agencement de couleurs, avec beaucoup de rouge en particulier. Mais maintenant que je suis en train de faire les photos et que je compile les photos, évidemment la réalité n'est pas le rêve que j'avais de cette maquette. Et la réalité est beaucoup plus verte, n'est-ce pas ? Et beaucoup plus bleu, beaucoup plus... Le rouge, c'est vraiment une couleur qui est très rare dans la nature, finalement. Là, je travaille à la chambre. J'ai besoin de temps pour régler l'appareil, j'ai besoin de temps pour faire la photographie. Et ce temps-là que je prends, c'est du temps que je donne au vitrail. Et c'est du temps pour 1000 ans, c'est-à-dire c'était obligé pour une question de temporalité. Une nouvelle intuition s'impose. Utiliser les deux baies comme un ensemble pour y représenter un sujet monumental. Après de nombreux essais, Véronique revient une fois encore sur les traces des vitraux anciens de la chapelle Sainte-Catherine. Il y a les 12 apôtres, Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine, qui sont quand même très proches du Christ, en particulier Sainte Marie-Madeleine. Donc ça devait parler du Christ également. Quel visage donner au Christ en 2014 ? J'avais déjà rencontré des personnes, en particulier dans les sans-abri que j'avais photographiés, qui pouvaient évoquer le Christ et même dans leur manière de vivre ou ce qu'ils dégageaient et tout ça. Mais comment décider que quelqu'un, une personne, soit le Christ ? C'était pas possible, alors je n'allais pas faire un casting de Christ. Je me suis dit, bien, c'est une image qui n'a pas été faite aujourd'hui, qui serait quelque chose d'universel. Une image du Christ qu'on a toujours vu, une image du Christ qu'on connaît. Et en cherchant dans la peinture, j'ai trouvé le Christ de Memling de 1481. Et je me dis que c'est lui. Parce que il y a quelque chose de grande bonté dans son visage, beaucoup de bienveillance, il est très beau. Ce qui va transformer le projet en quelque chose de beaucoup plus rassembleur, comme toujours c'est mon idée, c'est l'idée qui fait que le projet avance, eh bien je décide de photographier des gens, prendre des photos de l'humanité, d'une partie de l'humanité, mais vraiment de gens de tous âges, de toutes conditions, et d'intégrer ces visages dans le visage du Christ. Et en plus, Véronique a l'idée géniale de choisir d'incarner cette humanité par les visiteurs amoureux de la cathédrale. Elle recrute par le biais d'un appel dans la presse locale et 150 personnes viennent se faire tirer le portrait, à commencer par le chanoine Eckert. J'avais jamais eu l'idée qu'on pourrait représenter le Christ
comme ça, avec une juxtaposition de visages de gens d'aujourd'hui qui, effectivement, sont ceux qui construisent l'Église et représentent le Christ dans notre temps. Vous êtes le corps du Christ. Le Christ en est la tête. Vous êtes le corps. Ça s'est encore lu ce matin au cours de la messe. Elle est parfaitement dans l'axe théologique de la représentation du Christ ressuscité aujourd'hui, présent dans son Église. Je vais vous demander de tenir ça, parce que la lumière est un peu différente. Ah d'accord, faut... ça fait exactement, c'est un réflecteur. Ça débouche les ombres. Exactement, ça débouche. Vous tournez votre visage vers moi. Ok, super. Et c'est une demi-seconde. Bougez plus. J'ai essayé, là. Ouais, génial. Ça va? Ouais, ça va, super. Bon, allez. Merci beaucoup, je vous remercie. Voilà, mais je vous en prie, c'était de bon cœur. Au revoir. Allez, bonne Merci chance. Beaucoup, hein. Petite création personnelle à l'occasion de la cathédrale. Donc, c'est trop mignon. Je suis pâtissier de formation et à côté de ça, je suis passionné par la cathédrale. Donc quand j'ai vu le projet d'un nouveau vitrail, j'étais emballé pour participer. Baissez un peu le menton et ok, bougez plus. Nous sommes sensibles à ce qui est photo parce qu'on a une fille photo à Strasbourg. Très bien. Betty Bouladi, notre fille est photographe. Ben ouais, elle vient de nous dire ça à l'instant. D'accord. J'ai trouvé ça fabuleux qu'un nouveau vitrail soit réalisé pour la cathédrale de Strasbourg parce que je ne savais pas qu'il y avait encore des espaces vacants. Mmh. Et puis alors, de participer à un tel projet, c'est extraordinaire. Parce que je trouve que la cathédrale de Strasbourg, c'est un des plus beaux monuments de France, bah, d'Alsace de toute façon. Vrai. Parce que c'est vraiment un honneur, je trouve, hein, de participer à ça. Voilà. Allez, bouge plus, je fais une photo. Dis donc, tu t'es fait une sacrée bosse, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon petit frère, il a me jeté quelque chose. Oh la vache, bah, dis donc, ton petit frère Ouais, comme ça, un tout petit peu. Ouais. Je photographie les gens ici, à cette place précise. Ils sont dans la lumière. C'est pas n'importe quelle lumière. C'est la lumière blanche des vitraux sur lesquels je travaille. Cette lumière, elle ne sera plus présente lorsque les vitraux seront faits. Et du coup, c'est la trace pour toujours de cette lumière-là. Dans cet endroit-là. Et quand les visages des personnes seront dans le vitrail, la lumière traversera sa propre lumière, en fait. En tant que couple, que famille franco-allemande, ce projet avait une résonance particulière et on n'a pas réfléchi très longtemps tout de suite. On a répondu et on s'est... On s'inscrit et avec les enfants, mais c'est d'autant plus chouette d'y participer. Ce qui m'a séduit, nous on a un rapport un peu bizarre aux photos. On a maintenant 6000 photos, je crois, de la famille, mais on est complètement en retard. On a réussi à faire un album, donc là je sais qu'au moins il y a une photo qui sera pour quelques années de plus. On a trouvé le petit ange. Parce que j'ai vu le dispositif, c'est celui de l'offrande. Parce que quand tu mets le réflecteur, ils tendent leurs mains comme ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est vrai. C'est très beau. C'est très beau, ça. La religion, c'est ce qui relie. Mais tu sais que, en fait... Tu es en train de créer un dispositif où ça relie des choses et des lieux, des pensées, des individus. Vous avez votre projet en tête? Non, je pense. Est-ce que c'est la meilleure photo d'elle que j'ai faite? Est-ce que j'ai bien tout ce non, que. Ça, je peux pas vous aider là. Voilà. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que. Voilà ce que je pense. Arrangez-moi, ça m'arrangerait. En parallèle de ces prises de vue, Véronique élabore la maquette qui sera numérisée pour l'impression sur verre. Mais c'est ça qui faisait le lien, hein. C'était le sol avec les feuilles mortes.
C'est Zabou, son assistante, la spécialiste de ce minutieux travail d'infographie. Ça peut même plus un peu plus déborder. Hein. L'idée de Véronique pour retrouver la profondeur et l'effet de mosaïque miroitante de couleurs des vitraux anciens, c'est d'assembler, de superposer, d'estomper les photos en travaillant panneau par panneau. C'est un travail énorme. Les deux baies du vitrail en comptent 40. Il y a moyen de plus les lier. Ça serait bien. Je et pense. C'est pas mal que les feuilles mortes se... Oui, c'est bien. C'est une nouvelle phase de recherche et d'essai entre écran d'ordinateur et impression sur papier à la moitié de l'échelle réelle. Vas-y, dézoome. Ouais, je crois que c'est très bien. Pour l'instant, ce que j'ai mis au mur, c'est des étapes. Ça change sans arrêt, parce que sans arrêt, on est en train de travailler, et puis on rajoute ou on change. C'est deux directions différentes que j'arrive pas à abandonner ni l'une ni l'autre. La direction la plus à gauche, c'est très photographique, et ça m'intéresse beaucoup. De l'autre côté, c'est beaucoup plus pictural. C'est le premier essai qu'on a fait sans les portraits, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore les portraits. J'aimerais vraiment voir les essais quand je serai à Deggendorf. C'est là qu'on va voir ce que ça donne réellement sur le verre. Et ça, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, tous les essais qu'on fait, c'est en espérant que ça sera aussi beau que ce qu'on désire. L'usine de Deggendorf en Bavière, filiale recherche et innovation d'un grand groupe verrier, a développé la toute nouvelle technologie que Pierre-Alain a choisie pour la réalisation du vitrail. Yes. Très impatiente, Véronique va enfin voir le rendu sur verre que Pierre-Alain n'a jamais encore expérimenté pour un montage photo aussi précis. It's mine. L'impression des 8 premiers panneaux test est en cours. La photographe les a choisis dans des parties très différentes en couleur et luminosité. Regarde les petites fleurs que tu as imprimées, tu les vois ? Les petites fleurs, oui, je les vois bleues. Voilà. Donc c'est une technique d'impression digitale sur verre. Ça consiste en un dépôt d'émail sur un verre qui a été préparé pour recevoir cet émail. Et ensuite, ce vitrage, avec cet émail, va passer dans un four pour qu'on ait une sorte de vitrification des émaux. Ah ben voilà, il y a celle qui vient de sortir. Okay. Attends, faut le regarder sur le ciel. Hein. Faut que tu ramènes des blancs. Faut pas hésiter à ramener des blancs. Même des blancs virulents. Ça peut être plus blanc. J'ai envie de pleurer, en fait. C'est sublime. C'est hyper beau, c'est très, très délicat. Très délicat. Pourtant, c'est la déception générale après la cuisson des panneaux. Si la précision des photos est parfaite, les couleurs, elles, sont bien loin de l'éclat attendu. Ça, c'est très rouge, normalement. Qu'est-ce qui manque? Là, il manque de violet, quoi. C'est le rouge qui manque à chaque fois. Mmh. Tu aurais du rouge, automatiquement, tout se remonte. Là, t'as du violet. Parce que c'est fade. Ça, c'est fade. Donc, savoir, il faut demander un essai jusqu'où il peut aller au maximum dans les rouges. Voilà. La réglementation européenne interdit à l'usine d'utiliser certains oxydes colorants les émaux, notamment le cadmium, qui permettait d'obtenir le rouge éclatant des vitraux du XIVe siècle. Ce qui manque, c'est l'effet, les verres de couleur posés les uns à côté des autres. C'est-à-dire que là, tu as l'impression que tout est de la même valeur. Ouais. C'est aussi... ça que je voulais faire en faisant des plans différents et des matières différentes. Pour que j'aie de la matière, un truc physique. Red, mais plus là. Sature le rouge. On va voir ce que ça donne. Nous, ça
commence, quoi, le travail de modification et de transformation de ce produit. C'est un produit industriel, malgré tout. Donc maintenant, il faut le transformer en une œuvre d'art, c'est autre chose. Là, on n'est pas du bon côté. Le retour des panneaux dans l'atelier du maître verrier confirme l'inquiétude de Véronique. C'est tristounet. Oui. Ce que je veux transmettre dans ce vitrail, c'est vraiment quelque chose de joyeux, de pimpant. Et puis là, on n'y est pas encore, quoi. Et quand on va sortir nos 40 panneaux, qu'est-ce qui va se passer? Il faut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de... qu'on ne soit pas ultra déçu quand on va recevoir les 40 panneaux, quoi. On peut faire un essai, il faut faire un essai, on est là pour ça. Oh. Est-ce qu'on pourrait mettre une plaque rouge entière, juste pour voir comment ça réagit? Pierre-Alain invente alors une solution totalement inédite, une double peau. Un doublage des plaques imprimées avec du verre antique qui peut-être permettra de retrouver l'intensité des couleurs. C'est pas mal, hein? Ça peut manger l'image, ça peut s'arrêter là, ça peut s'arrêter où tu veux, en sachant que c'est un plomb, ça. Oui, est-ce que et je peux... C'est ça que tu dessines, un plomb. Vas-y. Est-ce que je peux faire une courbe, oui, également? Oui, bien sûr. Cette option exige de tracer le chemin des plombs qui solidariseront les différentes découpes de verre colorés, comme dans un vitrail traditionnel. Si Véronique a toujours pensé doter son vitrail de plomb pour rester proche des vitraux anciens de la chapelle, leur fonction était purement abstraite pour elle. Bah vas-y, alors, qu'est-ce que tu veux lui faire faire à ta fleur? Eh ben, je sais pas... Le plomb était un élément indissociable de la lecture d'un vitrail. Là, dans une œuvre aussi légère que ça, elle aime cette légèreté, cette douceur. Le plomb, c'est un noir, c'est un trait de feutre noir qui vient, marquer une zone, qui vient souligner un profil, qui vient souligner une couleur. Donc c'est, et d'un seul coup, ça prend une importance folle, quoi. Pour l'instant, ça évoque absolument rien du tout. Alors, zéro. Parce que si on fait ça... C'est moche. Ah ben non, c'est lourd, ça. Lourd, bah ça, oui, c'est hyper lourd. Non, efface ce truc-là. Ça va pas faire kitsch, le fait d'entourer chaque morceau de verre. Bon, je sais pas, je verrai assez pur, moi, c'est sobre. Je suis en train d'apprendre et de comprendre. Hein. Je suis très lente, peut-être, ou je suis mais... Enfin, en tout cas, j'en ai vraiment besoin de ce moment-là. Et... Ça peut être une fleur, je te dis, ça peut être une... Mais carrément. Non, ça peut être une fleur. Bon, et ça, genre de truc ça, j'adore. D'un seul coup, ouais, une, je trouve ça une, super. D'un seul coup, une compression comme ça. Oui. Alors. D'un seul coup, une compression comme ça. Bah, c'est un pulse géant, oui. C'est ça, un vitrail, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Là, c'est mon fantasme de vitrail qui se réalise. En tout cas, c'est bien. C'est bien. Les deux panneaux du dessus, je crois qu'on arrive à un bon équilibre, non? Oui. Ah, c'est bien. Ouais, on a bien travaillé. Là, c'est très bien. La solution miracle de Pierre-Alain, utilisée pour la première fois dans un vitrail contemporain, donne une nouvelle dimension au projet. Véronique sait maintenant comment faire évoluer sa maquette. Elle a encore beaucoup de travail et peu de temps. Dans 2 mois à peine, le fichier numérique doit être envoyé en Allemagne pour l'impression des 40 panneaux. Malgré ses délais serrés, elle ne renonce à rien. Je photographie la vigne parce que c'est un symbole très fort dans la vie du Christ, c'est le symbole de la passion du Christ, du sang de Jésus. Lorsque je travaille dans les environs de Strasbourg, j'ai l'impression d'être sur le chemin des tailleurs de pierre quand ils construisaient la cathédrale. Ils venaient chercher les pierres
dans la région de Strasbourg et s'inspirait directement des motifs floraux, la vigne bien sûr, le houblon. Ça va lier mon vitrail encore plus à la ville et à la cathédrale. À l'échelle du temps des bâtisseurs de Notre-Dame de Strasbourg, la chapelle Sainte-Catherine, qui accueillera le nouveau vitrail, fut érigée très vite, en 8 ans à peine. La chapelle Sainte-Catherine, elle a été commandée par l'évêque Berthold de Buchec, vers 1330 à peu près, pour qu'elle abrite son propre tombeau. Le chapitre n'était pas tellement d'accord d'ajouter une chapelle sur les à côté de la nef. Ils sont pas d'accord parce qu'ils démolissent les deux premières travées des bas-côtés, notamment les vitraux, quoi. Mmh. Donc ils étaient pas très chauds. Pour emporter l'accord du clergé, le prélat dut payer de ses propres deniers non seulement les travaux de construction, mais aussi un Saint-Sépulcre aujourd'hui disparu. L'évêque Berthold de Buchec l'a dédié à Sainte-Catherine. Manifestement, pour lui, c'est pas un hasard, puisque le jour de la Sainte-Catherine, c'est le jour de sa naissance, c'est le jour de son ordination en tant qu'évêque, et le plus fort, c'est quand même c'est le jour de son décès aussi, quoi. Ça, c'est puissant, quoi. Ouais. Et en plus, c'est nimbé d'une aura un peu miraculeuse, puisque quand il sera déterré 2 siècles plus tard, je crois, hein, il paraîtrait que quand on a ouvert les dalles et le tombeau, il était encore avec son habit nickel, à sentir la rose, enfin, genre miracle de l'Église catholique, quoi. Voilà, c'est fini. Quand je regarde cette maquette, je suis à la fois très heureuse et je vois que les défauts, en fait. Oui, je vois que les choses qui vont pas, les choses où j'ai renoncé. Et je vois pas encore le merveilleux de la chose que je voulais créer. Les 40 panneaux imprimés du vitrail viennent d'arriver d'Allemagne. Véronique et Zabou découvrent pour la première fois, imprimés en totalité, cette maquette qu'elles peaufinent depuis des mois. Ça y est, c'est matérialisé. Ça y est, tout est là. Ça me fait beaucoup d'effet, quoi. Et le voir matérialisé, enfin. Un an de travail. Bon, bah très bien, très bien, très bien, très bien. Bravo, bravo, ça existe. Ça y est, c'est très fort, hyper fort. Et en couveuse. Mais le bébé est... Moi, je le vois plus comme bébé. Moi, je le vois comme l'ado qui quitte le foyer petit à petit. Tu sais, là, qui est dans un studio, puis qui va s'installer. Bon, il est en coloc, là, un peu. Il n'est pas non, encore non, tout pour seul. Pour moi, il est encore dans sa couveuse. Ouais, bon. Maintenant, il va falloir envisager la suite. Là, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, maintenant, la transformation en vitrail. Donc, là, c'est pas évident. Là, je mettrai... Regarde la maquette, là-bas. On est plus foncé en haut, à gauche. Donc là, ou là, ou comme ça. Moi, je pense que ça serait mieux comme ça. Pour effectivement voir si on... Avec le dessin du réseau des plombs maintenant maîtrisé par Véronique, Pierre-Alain et son équipe de vitraillistes fabriquent panneau par panneau la double peau qui viendra recouvrir les deux baies de ce vitrail de plus de 7 mètres de haut. Bien que construit dans la continuité des gestes séculaires des maîtres verriers du Moyen-Âge, ce vitrail du XXIe siècle marque sa différence. Les photos imprimées sont sous le verre, alors que sur les vitraux traditionnels, les motifs sont peints sur le verre.
on avance. Donc là. Waouh. Oh, ça a l'air génial. T'as réémaillé là. Réémaillée avec le bleu. C'est super. Véronique passe régulièrement à l'atelier, heureuse de voir son œuvre prendre forme sous les mains expertes de son maître verrier. Et t'as fait quelque chose pour les poissons? Ou pas encore? J'ai dégravé le vert bleu, c'était mieux pour pouvoir rehausser en émail sur les poissons. Sur les poissons, okay. De façon où on va proposer différents émaux. Voir ce que ça donne. Mais c'est génial. C'est un peu comme un chef d'orchestre, le maître verrier, par rapport à l'artiste. Il a une œuvre à faire et puis il faut composer. Et puis c'est une espèce d'interprétation, en fait, de la maquette. Ça ne peut pas jamais être la maquette, c'est pas possible. Ah oui, non, oui, je veux que du vert ici. Que du vert, la couleur. Vert, la couleur, V-E-R-T. V-E-R-T. Parce que du vert, il y en a partout. Nous sommes dans le vert. Voilà. Donc, et ça, je voudrais bien que ce soit un peu rehaussé à l'émail orangé. Oui. Bon. Mais c'est compliqué, ça. On va voir ce qu'on peut faire. Depuis toujours, les peintres et les maîtres verriers ont mis des secrets ou des symboles dans leurs vitraux. Et cette tradition-là, je ne voulais pas passer à côté, bien sûr. Et tout ça, c'est dedans, mais ce n'est pas obligé de l'expliquer. Le fait que ce soit dedans, ça va nourrir, ça va le rendre, lui donner une épaisseur, mais c'est pas obligé de l'expliquer. On est dans une expression artistique, mais il y a quand même une valeur de ce vitrail qui est dans un lieu quand même culturel et qui doit remplir aussi une fonction. Donc il n'y a pas que l'image qui est là pour symboliser une idée du christianisme. Il y a aussi cette fonction spirituelle que le vitrail doit émettre au regard. Face à un vitrail, on est soumis à la vibration de cette lumière. On le sent pas, mais la lumière, c'est comme la musique, c'est une mise en vibration de l'espace. Donc cette vibration, on doit la ressentir, on la ressent. Dernière étape, une semaine avant l'inauguration. Le vitrail emménage dans sa nouvelle demeure, la chapelle Sainte-Catherine. Je m'occupe en bas. Si on casse, ce serait vraiment une catastrophe là. Surtout les dalles extérieures, puisqu'en fait, il nous faut au moins une semaine et demie de délai pour l'avoir. Comment ça se présente? Pas trop mal pour le moment. Les épaisseurs, les contre-épaisseurs, qu'est-ce que ça donne? Ça va. Okay. C'est bon. T'es appuyé contre la feuillure de chaque côté, oui. Là, on voudrait pas trop appuyer non plus. On viendra bourrer après de l'extérieur. Non, c'est très bien. Bon, je vais voir à l'intérieur alors. Véronique est pressée de découvrir son œuvre. Depuis un an et demi, elle l'a imaginée si souvent à la place des verrières blanches dans la chapelle. T'as vu à côté ça? C'est allé tellement vite. Pince-moi. Pourquoi? Pour que c'est sûr que c'est vrai. Oui, c'est pas vrai. Un rêve. Ah, oui. Ça y est, ils ont monté. Bon, ah ouais, ça y est. Les deux derniers panneaux. Oh là là.
Pierre Alain et son équipe ont bien préparé la pose. L'assemblage du grand puzzle se fait sans incident, beaucoup plus rapidement que prévu. C'est bien, Fred. Bravo. Les prises de risque qu'on a fait aujourd'hui, pour nous, elles sont bien. On est très fiers de ce qu'on a fait, on est très contents. S'il y a des critiques, c'est pas grave. Ben voilà. C'est figé pour un bon moment maintenant. Mais c'est une concrétisation de toutes nos réflexions. C'est une avancée technologique importante dans l'art du vitrail. Est-ce que ça fera une code? J'en sais rien. Je veux dire, c'était pour traduire une œuvre d'une artiste. C'est ça le plus important. C'était de s'approcher. Peut-être qu'une autre composition s'approchera différemment. Mais là, c'était pour approcher son œuvre, la rendre au plus près possible de ce qu'elle souhaitait. Pierre-Alain, il est très modeste, quoi, parce que là, il a inventé quelque chose. Cette double peau dont il parle avec simplicité, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. En dessous, la technique high-tech d'impression sur verre, des photos. Et de l'autre côté, sa technique du vitrail traditionnel. Et c'est vraiment la réunion des deux. Le mariage des deux. Ouais. Voilà, qu'il a inventé. Il y a foule pour l'inauguration. Tout le monde attend de découvrir l'œuvre que les Strasbourgeois ont déjà baptisée spontanément, le vitrail au son visage. C'est le grand jour, le moment de vérité pour Véronique et Pierre-Alain. Je vais pleurer là. Pourquoi ? Ben, je sais pas, je suis émue. Tu veux pleurer ? Oh non. Non, je vais pas pleurer. Véronique va pleurer, je crois. Je sens qu'elle va pleurer. Mais c'est amusant parce que la cathédrale est en fonction, cette inauguration en même temps, je trouve ça très assez particulier. Bon allez, ça commence, non? Faut que je suive Véronique quand même. Voici que nous nous retrouvons cet après-midi pour parachever ces festivités à travers l'installation d'un nouveau vitrail dans la chapelle Sainte-Catherine. Ça va, ça se marie bien avec le reste. C'est une belle réussite. Le jeu de piste commence. Tous cherchent à retrouver leurs portraits et ceux de leurs proches. C'est tellement beau que si on n'y est pas, c'est pas grave. En tout cas, c'est très joli. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On ne se rend pas compte tout de suite que c'est un visage, en fait. Quand on n'est pas prévenu, hein. C'est extra. C'est vraiment extraordinaire. Donc j'ai trouvé mon gamin, en fait. Hein. Je veux dire, voilà. On le reconnaît très bien, là, en fait. Le poisson, aussi dans l'eau, tout ça, c'est le symbole. Hein. Il y a tellement de symboles. Ouais. Et je trouve que la cimoille, ça, c'est un petit clin d'œil. Ouais, à l'Alsace. Moi, ouais. Oh, j'ai déjà un peu triché. C'est vrai? Je suis venu avec mon appareil photo et mon téléobjectif et je suis allé repiquer. Vous avez fait des détails. Et je suis allé repiquer des visages. Ah. J'ai un peu triché, moi, déjà. Oui, parce que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour une perception globale et symbolique. Et la perception est globale est très belle. Oui, oui, c'est oui. Vraiment. Non, c'est une réussite. Je m'attendais pas à ça, pas du tout. Parce que j'étais assez sceptique au départ. Je trouve ça éblouissant, vraiment. Et au-dessus du sourcil à gauche, Anne-Sophie, en gros plan. Donc à gauche? Oui, au-dessus du sourcil. Ah oui, je la vois. Et au-dessus, c'est moi. C'est fou. Extraordinaire. Ah, c'est magnifique, hein. On est vraiment dans l'émotion, parce qu'on se dit qu'on est dans la cathédrale de Strasbourg. C'est un honneur. Hein. Hein, moi, j'en suis toute émue. Moi aussi.
Quand on sera mort, ah là là, ces vitraux, ils seront toujours là, pour des millénaires peut-être. On a attendu depuis 9 mois, vous avez pris des photos là, en janvier dernier. Là, c'est vraiment la surprise. Il y avait une photo dans les DNA récemment, mais on ne voyait pas grand-chose. Là, c'est chouette, resplendissant. L'émotion est intense. Très bon temps. Le nouveau vitrail a gagné sa place pour 1000 ans. Je sens beaucoup d'émerveillement et c'est ce que je voulais. Je voulais que les gens soient émerveillés et touchés, émus. Donc je crois que ça marche.